Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kayos. Franchement, avant de commencer, je vous le dis, moi, sérieux, je pète la forme. Mais vraiment, parce que bon, on a un peu regardé avec des 6 qu'on pourrait vous faire par la suite en ouverture. Écoutez, je vous promets, mais il y aura des ouvertures, mais sincèrement, mais de malade. Voilà, vous verrez déjà ça en temps et en heure. Hein, donc voilà, donc aujourd'hui, voilà, donc on est jeudi. Qui dit jeudi dit multi-ouverture. J'avais envie de faire étincelle et impulsion. On va pas tout se faire, hein, bien sûr. On va en prendre 4 de chaque. Donc déjà, on va les prendre. Alors, juste voir si on a tout le monde. Normalement, on a tout le monde. Alors, attendez, on va prendre le Mewtwo X. Chaque fois que je me trompe, le Démolos. Tiens, il est super épais. Donc ouais, j'ai envie de le prendre, même si en fait, bon, voilà. On va prendre le Zoro. Ou Arc Turbo et le Mewtwo dégueulasse. Voilà, je suis désolé, mais j'aime pas ce Mewtwo. Non, je ne l'aime pas. Donc on va s'ouvrir ça et de l'étincelle, parce que étincelle, voilà, c'est une série que j'adore. On va prendre ces deux Dracaufeu là. On va se prendre le Kangourex et non, le je sais pas. Si vous avez une préférence sur le Nemelios, non, bon, on va prendre lui. Back. Et voilà, on va terminer, je sais pas du tout par quoi on va finir par contre, parce que j'adore les deux séries. Celle-ci est complète, celle-ci ne l'est pas. Je sais pas. Non, bah allez, on va y aller, hein, on va prendre Impulsion en premier, on va laisser Étincelle. Non, on va commencer par Étincelle. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. J'en profite aussi pour vous dire que demain, on va se taper donc dans l'ouverture rétro, on va se faire un seul petit booster, où il n'y en aura qu'un seul. Ce sera un booster un booster diamant perle, donc un diamant perle aube majestueuse. Oui, je le mets tout de suite sous protection, voilà, parce que j'ai envie. Voilà, j'ai envie. D'ailleurs, on va faire ça sur tous les boosters. Vous savez quoi, on prendra tout d'un bloc. Voilà, comme ça au moins, si jamais vous aimez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, comme ça au moins, bon, voilà. Tac, on évitera de le faire la prochaine fois. En tout cas, s'il vous plaît, si jamais vous aimez les multis ouvertures, n'hésitez pas, lâchez un max de pouces bleus. Comme ça, au moins, bah, je le saurai. Ou alors, bon, sinon, voilà, on changera peut-être un peu la façon de faire les multis ouvertures. Tac, hop, toujours le petit code pour vous. Et il y a tout qui tombe, heureusement que, voilà. Tac, 1, 2, 3. Celle-ci, on la met aussi sous protection. Ouais, donc il y en a qui n'aiment pas trop faire ça. Salut Chine, hein, si tu passes par là, mais je sais pas, moi je kiffe bien. Je kiffe bien faire ça. Ça laisse un peu plus de suspense, comme on dit. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça. Si vous n'aimez pas, bah, dites-le moi aussi en commentaire, hein, s'il vous plaît. On évitera de le faire sur les prochaines, ça y a pas de souci. Tac. Alors attendez, j'ai pas envie de me spoiler, donc hop, comme ceci et comme ceci. Voilà, donc on est parti, on va prendre ce tas de cartes, tac, et on est parti. Au moins, normalement, ça ira même peut-être un peu plus vite. Alors, Floette, Fan Club Pokémon, Love Disc, Elionso, Rakaillou, Barpo, Fouinette, Skelenox, Galopa en reverse, qui est juste magnifique, Chartor, Mégaphone Surprise, Roserad, Mascaïman, Ponyta, Farfuret, Grenipio, Venalgue, Noctunoir en... Alors, est-ce qu'elle est holo? Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais en tout cas, elle est magnifique, cette carte. Moi, personnellement, j'adore. Donc on enchaîne Makarachi, Chrysacier, Love Disc, Pomme de Pique, Farfuret, Psytigris, Moufouette, Roselia en reverse, Chartor, Mégaphone Surprise, Roserad, Elionso, Farfuret, Grenipio, Flabébé, Lixi et Mustéflotte en rare reverse. Ok. Alors on va tout de suite partir sur ce qui nous intéresse, ou alors on les laisse vraiment pour la fin. Non, on va les prendre tout de suite. On va regarder ça et amen. C'est parti. Ok, nickel, une holographique, donc un petit Muplodocus, qui est un Pokémon que j'aime bien, mine de rien. Ouais, moi j'aime bien ce Pokémon, franchement j'aime bien. On enchaîne. Ok, 71, petit, pardon, petit Cravarèche en rare. Ok. Ensuite, un petit Grolem et on termine avec un Igualta.
Eh ben, il n'était pas fameux, cette étincelle. Alors, on retiendra le petit Muplodocus, juste là. Bon, elle est super belle, j'adore cette carte. Donc, tac, on met ça de côté et on passe à Impulsion. Bon, l'ordre, de toute façon, hein, on va faire comme on a fait sur Étincelle. Si vous aimez pas, hein, comme dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, bon, ça, c'est pété. Tac, on enlève ça. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire, moi, pendant ce temps? Oui, donc on va profiter donc cette semaine pour le On vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel booster vous aimeriez du bloc XY, tiens, si possible. Donc vraiment, ouais, du bloc XY. Donc samedi prochain, donc pas ce samedi-là, mais samedi prochain. Oh là là, décidément, c'est booster. On vous offrira un booster ou deux, hein, c'est à voir, hein, c'est histoire de fêter l'arrivée de la nouvelle série. Donc on vous offrira un ou deux boosters Soleil et Lune 2. Sous blister si on les a, sinon ce sera bah, pas sous blister, hein. Donc tac, donc voilà, donc au moins vous êtes prévenus. Donc samedi c'est un booster de votre choix, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous aimeriez comme booster. Du bloc XY si possible s'il vous plaît. Pour la suite on verra, bah, on verra plus tard. Et du coup, donc dans, bah non, c'est pas dans 2 semaines, c'est samedi prochain. Ce sera donc du Soleil et Lune 2 pour vous. D'ailleurs, en parlant de Soleil et Lune, j'ai extrêmement hâte de SL3. SL3, c'est les Dracaufeux. Et là, je vous le signe, si je tombe sur un Dracaufeu, il n'y en a aucune qui partira. Non, si on l'a déjà dans la collection, ce sera du PCA et le reste du PCA, du PCA et du PCA. Voilà, comme ça au moins, ça c'est dit, c'est fait. Et puis voilà. Donc tac, on prend notre petit tas et on est parti. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Donc, Megacan, Ursaring, Sablero, Tilton. Il y a beaucoup de lumière, non? Ouais, c'est à cause. Attendez, si. Bon, ça changera pas grand-chose, mais quand même. Donc, Tilton, Feu Forêve, Cabriolène, Tarsale, Sonistrel, Doduo en reverse, Incisache, Cité Parallèle, Poissoroi, Grenousse, Coupe-Note, Lusaur, Fantominus, j'adore, Miaouss, Sorboule. Sarboule en reverse, Rhinolove, Chevroom, lien spirituel Mewtwo, c'est un signe, il y a un Mewtwo là-dedans. Tac, Snubbull, Cacnea, Lepidonie, pardon, oh là là, Furiglon, Blizzy, Tarsal en reverse, Veste de combat, Cochignon, Grumble, Lusaur, il y a tout qui tombe. Attendez, on va mettre ça comme ça, voilà. Osselet, Hippopotas, Erisandro, je l'adore, à lui je l'adore. Tac, Poissirène, et on termine avec un petit Flamajou en reverse. Tac, allez, on va prendre ce petit tas de cartes. Alors, sincèrement, Dessie a beaucoup de chance. Dessie, en ce moment, c'est elle qui a beaucoup de chance. D'ailleurs, elle vous le montrera dans sa vidéo de mardi, si je dis pas de bêtises, ou peut-être même dimanche, je sais pas encore. En off, elle a quand même eu un Mewtwo secret de nouveau, hein, dans ces bordels de boosters. Donc, c'est bien beau, mais moi, du coup, ça me fait rien. Donc, bon, allez, on est parti. Ok, Cocotine en rare. Bon, on enchaîne. Ouais, ça va, non, ok, bah ça c'est top parce que c'est une carte en plus qui est vraiment jolie. Est-ce qu'on l'avait déjà envoyée à PCA? Je ne sais plus, certainement que, bah du coup, on l'enverra à PCA. La foulard, si je dis pas de bêtises, on a dû l'envoyer, mais celle-ci aussi, je crois, c'est avec notre envoi avec Dialga. Ouais, bah je regarderai ça de toute façon, mais de toute manière, elle part à PCA. Voilà, comme ça, au moins, le disc collector sur Impulsion, c'est un truc qu'on veut. Donc voilà, elle partira à PCA, je suis super content, c'est nickel. On enchaîne avec un petit Blizzaroi et on termine. Yes! Mais yes! Voilà! C'est ça qu'on veut, franchement, c'est ça qu'on veut. Avec un petit Démolos EX en foulard. Pour ceux qui se rappellent, dans la vidéo PCA, je vous mettrai peut-être la petite carte là-haut, là. On a eu cette Démolos, donc on l'avait envoyée. Elle est revenue avec un 8. Un 8 alors qu'elle était clean de chez clean. Donc celle-ci, on l'enverra aussi à PCA. L'objectif est clair, hein, bien entendu, c'est dépasser ce 8. Sur l'arrière, attendez, on va regarder ensemble. Tac, alors, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, hein. Ça, c'est peut-être un petit point blanc là, un tout petit, non? Bon, là, il y en a un dans le coin. Ouais, il y a un petit point blanc dans le coin. Bon. Ah, il y en a. Oh là, il y en a un gros là-haut là. Bah, c'est pas grave.
Franchement, c'est pas grave. Elle ira à PCA. Puis on verra. En plus, le cadrage a pas l'air dégueulasse. Ok, c'est nickel. Bon, en tout cas, ça fait une super famille là qu'on vient d'avoir. C'est juste nickel. Donc les deux ici partiront à PCA. Du coup, par contre, j'en profite aussi pour dire Flamiaou. Du coup, tu pourras pas partir avec nous dans cet envoi-là. Par contre, on te réservera le prochain. Parce que là, du coup, on a 17 cartes déjà envoyées à PCA. Donc voilà, ça risque de pas le faire avec une de plus. Mais t'inquiète, si on continue franchement sur cette lancée-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. On pourra bien s'éclater à en renvoyer encore à PCA, ça c'est clair. Donc voilà, et même franchement, d'ici, allez, mi-mai, on refera un autre envoi PCA. Donc je te contacterai par mail, tout ça, puis je te le dirai. Donc le petit récap, on va terminer avec ces deux-ci. Donc le petit Muplodocus en holographique, que j'adore, franchement, j'adore. Bon, Cravarèche, Grolem, Igualta, Blizzaroi, Cocotine. Bon, alors ça, c'est peut-être. Bon, c'est pas forcément à oublier, mais quand même. Ensuite, le petit, qui est pas petit, mais j'adore dire le petit, donc le Megadémolos EX, qui est vraiment, vraiment magnifique. Elle part à PCA. Et derrière, la Démolos EX FA, donc Foula, qui part aussi à PCA. On a eu un 8. Je ne sais pas d'ailleurs si je peux. Attendez, 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 attendez. Peut-être que je le couperai au montage. Tac, j'essaye de. Voilà, elle est là, je l'ai, c'est nickel. Donc voici quand même ce qu'on avait eu. Là, voilà, la Démolos avec un 8. Hein, vous voyez, avec un 8. Alors que sincèrement, je ne sais pas du tout pourquoi, parce qu'elle était clean de chez clean. Du coup, voilà, donc j'ai un peu peur de celle-ci. Mais on verra. On verra, on verra. De toute façon, vous aurez la vidéo, ça c'est clair, hein, de réception PCA comme d'habitude. Et puis, bah voilà. Donc moi, je vais ranger tout ça. Je vais le ranger en off, comme ça au moins il n'y aura pas de problème et je peux déjà vous libérer. Donc demain, on se retrouve pour une ouverture rétro avec un booster diamant-perle. C'est vraiment pour répondre à la demande d'un abonné. Super. Donc demain, on va se faire ça. Un petit booster, mais vraiment tout petit, hein. Un booster diamant-perle aube majestueuse. Et puis voilà, le samedi, c'est on vous fait plaisir. Dites-moi ce que vous voulez comme booster du bloc XY et vous pourrez le gagner samedi. D'ailleurs, il y a les règles qui vont un peu changer, mais on en reparlera demain, histoire de là, bah, de couper parce que je suis sûr que ça fait quand même déjà quelques temps. Bah écoutez, bah voilà, bah, j'espère que l'ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si vous aimez les multi-ouvertures, si vous aimez les carrefoulards, si vous aimez les ultras. Comme ça, normalement, moi, ça devrait le faire. Et surtout, si vous voulez voir encore plus de multi-ouverture. Voilà, moi c'est un truc qui m'éclate bien, j'aime bien faire ça. Pareil, si vous aimez pas trop le fait de tout laisser de côté pour la fin, n'hésitez pas à me le dire aussi, on arrêtera de le faire, il n'y a pas de problème, vous savez très bien qu'on vous écoute. Moi du coup, bah, je vous dis à demain, donc pour l'ouverture rétro, on reparlera un peu du on vous fait plaisir. Et puis voilà, bah écoutez, bah, moi je vous dis donc à demain, portez-vous bien, profitez à fond de votre passion. Et puis, passez une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Allez, salut à tous.